Oh, c'est nul! Bon, allez, Ludo, éteins la télé chaude. Aujourd'hui, on se met sur tes mails pour trouver un job, ok? Allez, c'est parti! Allez! Bon, ben, monsieur, je vous écris car. Madame, monsieur. Madame, monsieur. Si c'est une femme, faudrait pas commencer par la vexer. Donc, je vous écris car. Car tu voudrais lui montrer ton travail, par exemple. Car je voudrais vous montrer mon travail. Pas mal. C'est nul. C'est super nul, ça. Montrer mon travail, mais je vais pas lui montrer mon cul. Bon, alors, pas montrer. Un synonyme. Ou faire part. Je souhaiterais vous faire part de mon. C'est pas un putain de faire part de mariage. Pas faire part. Ah oui, je vais détourner. Je souhaiterais vous rencontrer. Ça fait moins agressif. Afin de vous montrer. Non, toujours vous pas donner montrer. Un aperçu de. Afin de vous donner un aperçu de mon travail. C'est pas mal. Vous trouverez mon book en pièce jointe. Alors, oui, mais si tu lui envoies ton book pour lui montrer son travail, ça sert à rien de vouloir le rencontrer pour lui rencontrer, montrer ton travail, c'est nul. C'est con. Putain, j'arrive à rien. Non mais Ludo, j'ai rien dit. Ludo ? Non mais la formulation est pas mal, il suffit de développer juste un tout petit peu et on y est, ok ? Allez, on s'y remet. Je vais pas me laisser emmerder par un putain de mail qui commence à me casser les couilles. Oui, mais c'est comme ça qu'on veut. Bon, alors, donc, madame, monsieur, sans la signature, je vous écris, car je souhaiterais. Non, mieux, je vais me présenter. Car je suis un artiste sculpteur. T'as oublié un P à sculpteur. Sculpteur, et je pense que votre galerie pourrait être intéressée par mon. Travail. Point. Donc, vous trouverez mon book en pièce jointe pour voir mon travail. Pour avoir un aperçu de mon travail. C'est mieux ça. Et donc, je reste à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer. Ah, et ben parfait! Alors, c'est bien, mais deux lignes, perso, ça me paraît un peu court, quoi. Oh putain. Non mais là t'y étais là. Là c'était vachement bien là. La formulation était juste nickel quoi. Il suffit juste de broder un petit peu pour rajouter un petit quelque chose là, tu vois. Un... Ludo. Salut! Ça va? Oula! Ou alors, t'as envoyé des mails aux galeries? T'as eu une réponse? Il se passe quoi là? Soit trop. Ok! Je peux jeter un coup d'œil? Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, ça. Madame, monsieur, ou les deux à la fois, après tout, on ne sait jamais. Je suis sculpteur, hein, je fais des choses originales, intéressantes et réfléchies, pas comme les abrutis arrivistes qui se contentent de copier ce qu'ils ont vu à la dernière Biennale d'art contemporain, mais qui sont exposés, eux, parce qu'ils ont su lécher les bons culs. Pourquoi pas ? Je galère aussi comme un con à écrire des mails de merde parce qu'apparemment faire du bon travail n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir écrire sa biographie en alexandrin pour retenir l'attention de quelqu'un. Hein. Alors voilà mon book en pièce jointe et si ce n'est pas suffisant pour se rendre compte de ce que je fais, vous pouvez toujours vous en faire un god et vous le foutre au cul. Carrément. Sinon, exposez-moi, bordel de merde. Hein. Ah oui, et veuillez agréer, madame, l'assurance de ma considération distinguée. C'est pas mal, hein? C'est quoi ta contribution là-dedans? T'en fous un peu. Bien.
Bien. Non mais, pour moi c'est original, ça c'est sûr que là tu vas pas passer inaperçu quoi. Franchement ça se tente. Dis-moi, tu veux qu'on l'envoie comme ça ou tu veux rajouter bande d'enculé en post-scriptum? Parce que j'ai l'impression que ça risque d'être un peu trop subtil. Et puis enculé, ça rime avec distingué. Tu sais quoi, moi, j'en ai marre, quoi. Pas encore avec lui, j'ai réussi à en faire quelque chose de potable. Oh, dis pas ça. Je suis un artiste. J'en réussis souvent, les artistes. Tu pourrais pas lui filer un coup de main? Merci. Tu permets? Alors... Je vais peut-être revoir un peu la prose, hein? Merci. Merci. Combien? Combien de quoi? Bah tu sais, d'occasions manquées avec tes humains. Ah, je me disais que ça faisait beaucoup aussi. Pour suivre nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Surtout si vous pratiquez le kung-fu avec une famille de kangourous.